Monsieur Nicolas, mon jardinier, a toujours été sourcilleux, maniaque et généralement de mauvais poil. J'avais enfin trouvé quelque chose à lui dire, alors je m'élançais tout aussitôt dans l'escalier, et comme saisi d'inspiration, je lui disais « Un peu plus et nous avions une gelée blanche, hein ?» Oh, mais il n'y a pas de gelée blanche par temps couvert dans votre pays. Ça fait au moins 100 fois que je vous le dis. Alors c'est un temps de saison, c'est ça? C'est ça. Oh bah non, bah ça prendrait trop de temps, je te dis, elle va crever. S'il vous plaît. Non, ce qu'on va faire, je vais t'en donner une autre. Hein? Non, ce n'est plutôt celle-ci. Mais puisque t'en aurais une plus belle. Parce que c'est celle-là que j'aime. Donc celle-ci. Je m'en veux encore plus. Mais pourquoi? Parce que j'ai tué, hier matin, dans les choux d'un coup de houlette, une limace prodigieuse, du plus beau caoutchouc rouge, feuille anglaise, premier choix. Toute la journée, j'ai imaginé les conséquences de ce meurtre. Ça va, c'était qu'une limace. Mais donc, faut pas vous en vouloir. Lui, il tue tous les jours. Pour jardiner, faut tuer. Betrave m'écoute de bonne grâce dans un silence opiniâtre, et soudain, l'une d'entre elles, qui doit être un des meneurs, me répond avec effronterie : des économies ? À d'autres, monsieur, on nous a déjà bien assez dupés. Vous allez encore une fois faire de l'inflation et nous rafler en un jour le fruit de notre travail ? Eh bien, moi, j'aime mieux vivre ma vie et tout gaspiller tout de suite. Et les autres pensent comme moi : c'est pas éternellement qu'on abusera des betteraves.